Salut à tous, c'est Doucet42. Alors aujourd'hui je trouve pour une nouvelle vidéo tutoriel. Alors ça va être comment avoir le menu démarré sur son ordinateur Windows 8. Alors sur Windows 8 qui apportait beaucoup de changements comme ce nouveau menu là, avec l'application Metro, ce qu'on appelle ça Metro, enfin les applications qu'on télécharge sur le Windows Store. Et ben bah, ce menu fait disparaître le menu démarré, vous connaissez avant. Alors avec Windows 8 mois ils ont rajouté le bouton parce qu'avant il n'y avait même pas de bouton. Et quand on fait un clic droit il y a tout, enfin il y a quelques options qui sont assez pratiques. Mais vous pouvez avoir encore mieux, vous pouvez avoir un vrai menu démarrer, comme Windows 7, exactement comme Windows 7. Hein. Quand on appuie ici ça affiche un petit menu démarrer. Donc c'est vraiment super simple. Alors on va aller sur internet, je vais vous montrer comment s'appelle le logiciel. Alors, voilà. Alors, ça s'appelle Start is back. Voilà, ça porte bien son nom. Donc, c'est le premier lien. Je vous mettrai bien sûr le lien dans la description, ce sera plus rapide pour vous. Donc, alors, le seul petit problème, c'est que ce logiciel est payant. Enfin, et donc il y a une version d'essai de 30 jours, mais elle est payante, donc je mettrai enfin je vous dirai quand je vais vous dire après comment le craquer, super simple. Donc voilà, donc là on a un petit aperçu à quoi ça ressemble. Donc bien sûr le petit bouton là ils ont mis ça, mais on peut changer, hein, je vous montrerai ça après. Donc là vous cliquez ici, alors là vous cliquez sur bah, suivant si vous êtes Windows 8.1 ou Windows 8. Moi je suis Windows 8.1. On clique. Ça veut bien, ouais, c'est bon. Voilà, enregistré tout petit, mais c'est très lent. Donc voilà, donc alors le crack pour l'avoir gratuitement, enfin pour oui, pour l'avoir gratuitement, pour parce que là, pour pas avoir la juste le truc de 30 jours, enfin je vous montrerai. Alors on va l'installer, donc là installer pour moi uniquement ou installer pour tous, bah ça c'est si vous voulez, hein. Si vous voulez installer que pour votre session ou que pour ou pour tout l'ordinateur, donc moi je vais mettre pour moi uniquement. Tac, donc là ça va faire redémarrer explorer.exe. Quitter ça, tac, ça va tout recharger et là tac. On a le petit bouton là, et maintenant quand on appuie là, on tourne plus sur le métro, sur ça là. On tombe sur sur le super menu démarrer. Alors, menu démarrer, vous pouvez bien sûr le personnaliser. Donc, vous faites clic droit dans un endroit où il n'y a pas de bouton, et vous arrivez sur propriétés. Alors, voilà. Alors, menu démarrer. Alors, là, il y a pas mal de personnalisations qui sont vraiment basiques. Afficher les applications modernes UI, ça c'est pour afficher les applications du Windows Store, donc les applications de cet écran d'accueil là, hein. Là action du bouton d'alimentation, ça peut être pratique si vous voulez changer, hein. C'est l'action de ce bouton là, donc là c'est arrêté, vous pouvez mettre n'importe quoi. Alors l'apparence, là c'est le point le plus important. Alors c'est pour configurer l'apparence de ça, donc là c'est en style Windows 7, donc vous voyez là quand je laisse la souris juste sur un bouton, et ben ça fait à le contour qui le contour est enfin c'est celui de Windows 7, voilà. Et vous pouvez le changer, il y a alors là il y a plain 8, donc voilà, donc là c'est avec un contour blanc marqué autour, il y en a 4 différents, là c'est blanc de c'est plus enfin blanc plus opaque, et le dernier c'est celui que je préfère, c'est celui-là, voilà. Donc voilà, vous mettez ce que vous voulez, hein, ça c'est pas vraiment d'importance. Alors là, vous allez choisir votre bouton le bouton qui s'affichera ici là. Alors il y a ça, là c'est celui-là par exemple. Bon, je trouve pas super. Il y a celui de Windows 7. Alors là, on peut vraiment croire que vous avez un ordinateur Windows 7. Hein. On voit pas du tout la différence. Moi je laisse celui-là, et autrement vous pouvez en télécharger sur DeviantArt. Donc DeviantArt, c'est un site où plein de personnes postent leur réalisation graphique. Donc là c'est mes start bouton ORB.
comme quoi ORB. Voilà, enfin ça je vous laisserai, voilà, pour plus qu'à remettre des trucs de Minecraft. Voilà. Donc ça, je vous laisse voir tout seul, c'est super. Voilà, les différents boutons sont assez jolis. Donc voilà. Alors, moi je vais laisser celui-là. Là, il y a quelques autres menus. D'activer la transparence. Parce que là, il est. Oui, voilà, donc là on voit un peu le fond d'écran, là on la voit pas. D'activer la transparence de la barre des tâches. Donc ça change aussi ça. Remue tous les programmes externes. Donc bon, je sais pas pourquoi ils ont mis ça, parce que c'est vraiment pas pratique. Ça met externe, donc il se met ici. Hein. Bon, certes. Peut-être que ça peut. Oui, bon, c'est vrai qu'on voit tout d'un coup. Donc, si vous êtes habitué à Windows XP, ça peut être pas mal. Voilà. Donc, moi, je vais décocher ça. Cacher l'avatar du compte. Utiliser mon actuel avancé. Le bouton démarrer. Je sais pas si ça rajoute ça. Ouais, voilà. Ouais. Donc là, si vous faites un clic droit, ça met juste propriété ou ouvrir l'explorateur de fichiers. Et que là, si vous cliquez ici, tac, ça vous affiche le truc de Windows 8.1. Bah moi je vais mettre ça, parce que c'est pas mal, il y a pas mal d'options comme invite de commande admin, programme de fonctionnalité, enfin tous les trucs assez pratiques. Alors, d'autres configurations pratiques. Alors lorsque j'ouvre ma session, soit on affiche l'écran d'accueil, donc c'est-à-dire que donc le ça, soit le bureau. Donc si vous voulez démarrer sur le bureau, bah moi je vais mettre démarrer sur le bureau, donc pas besoin de. Enfin vous démarrez comme sur Windows 7. Alors lorsque vous appuyez sur le bouton Windows de votre clavier, alors soit afficher l'écran d'accueil, soit afficher le bouton démarrer, le menu démarrer. Donc moi je vais mettre écran d'accueil, c'est un petit raccourci comme c'est plus compliqué d'y aller maintenant. Voilà, donc là c'est Windows Plus, c'est notre truc. Enfin ça c'est vraiment le touche Windows pour la configurer. Configurer les bords de l'écran. Voilà. Pas du tout qu'est-ce que ça change. Peut-être pour ça. Ça fait, ouais, c'est pas du tout. Ouais, c'est pour la barre de navigation. Donc, oh, je vous laisse, enfin, vous découvrirez de vous-même. Donc là, c'est pour améliorer l'écran d'accueil. Donc voilà. Afficher la barre des tâches, ça peut être pas mal, parce que c'est que. Voilà, donc là on a la barre des tâches sur l'écran d'accueil. Ça peut être pas mal aussi. Ça permet de utiliser. Ça peut être pas mal. Alors, quitter les applications. Ouais. Donc ça c'est les applications. Bah, tout ce qu'ils appellent moderne, c'est tout ce qui est là-dedans en fait, hein, dans l'écran d'accueil Windows 8. Hein. Voilà, donc là rien de vraiment très intéressant. Alors par contre dans le dernier onglet, donc à propos, donc là. On voit jour d'essai restant 30. Donc là il y a un petit bouton activé. Alors le crack ça va pas être une clé de licence. Hein. J'ai pas trouvé ça sur internet, j'ai trouvé un petit logiciel. Enfin un petit programme qui permet de rendre la version d'essai infinie. Enfin que le. Ça va tout le temps rester à 30 en fait. Donc pour ça c'est super simple. Je vous mettre le téléchargement de tout petit programme dans la description, ce sera rien Mediafire. Donc voilà, donc vous l'ouvrez. Faites oui. Tac. Alors là il est marqué reset ou install auto-reset. Alors reset ça va en place d'imaginer vous êtes à 10 jours, vous avez déjà utilisé 20 jours le programme, vous l'avez fait déjà depuis 20 jours, et ben là reset ça va remettre à 30. Mais bon le plus simple c'est de faire install auto-reset, donc ça va tout simplement. Bah le remettre à zéro, enfin remettre à zéro le compteur de la version d'essai à 30 automatiquement. Donc vous faites ça, installer autoreset et voilà. Donc là vous avez votre programme qui est craqué. Vous pouvez supprimer ce petit fichier. Donc voilà. Donc bah cette vidéo est déjà finie. Hein. Alors je pense que vous serez beaucoup d'entre vous seront contents de retrouver ce petit bouton démarrer qui manquait vraiment à Windows 8. Donc alors si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, laissez un commentaire. Je vous dis à la prochaine.